Il faut trouver en moins de lignes possible. J'espère qu'il y aura de la pétanque. Moi, je pense pas qu'il y aura de la pétanque cette année, il y en a eu l'an dernier. C'est l'an dernier qu'il y avait eu de la pétanque, non? Que des mots en 5 lettres, ouais. Bah déjà il y a des strats quoi, il y a des strats où tu dois trouver... Enfin je pense que les gens ont déjà trouvé, mais il faut trouver le mot en amont qui te donne le plus de possibilités d'avoir au moins une lettre qui existe dans le mot. Avant les vacances. Oui. Le chat est en effervescence. Coupe-note vient de tomber. Oh bordel. Enfin. Ah. Là tu te dis non mais le mec a pété un plomb, 1480 rencontres. Mais non. Mais non, parce que si tu as été attentif, nous étions en phase 4. Phase 4 pour cette chasse de coupe-notes qui a commencé pour nous il y a un peu plus d'un mois. On a eu 3 shiny pendant cette chasse que je t'invite à découvrir tout de suite. Ah mais si je tombe sur n'importe quoi d'autre que coupe-notes, vraiment je vais péter un plomb. Hein. Vraiment, hein. C'est garanti déjà. Hein. C'est une blague. C'est pas possible que ça tombe pile à ce moment-là, c'est une blague. C'est une blague. C'est pas possible. Enfin, pile à ce moment-là, quand j'ouvre ma gueule, qu'évidemment que ça tombe. Bien sûr qu'on rêve de toi la nuit, quelle question. Bah ouais, d'accord. Pas que la nuit. Ah ouais, d'accord. Merci. Ah, mais putain. Mais putain. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir Teral Shiny ici, quoi? Le pourcentage de chance, il est tellement faible! Ça n'a aucun sens! Ça défie toute logique! Petite prédit pour coupe-note, avant que je meure, j'espère. J'espère. Mais putain! Non! Mais merde! Mais comment c'est possible? Mais il est à 5% dans la zone! Ça fait deux fois! J'ai 70% de chance d'avoir ce que je veux, je l'ai pas! On est à plus de 6000 rencontres pour cette chasse. Mais voilà, 1480 rencontres pour la phase 4, donc on est au-dessus du taux pour celle-ci. Enfin, coupe-note, je précise d'ailleurs qu'il était à 80% dans la zone, puisqu'on avait un setup que je t'ai expliqué dans une vidéo tuto que je te poste là-haut. Et donc 80% le machin, et voilà, on a trouvé des terrals à 5%, enfin quel enfer. Bref, on va switcher du coup sur Pandarbar, tiens. On va switcher sur Pandarbar directement. Pour aller chercher ce petit coupe-note. Alors, j'ai pas regardé si coupe-note pouvait se blesser, tiens. Le niveau 30, il y a peut-être moyen qu'il puisse se blesser. Hein. Il a fauchage, ok. On va le mettre dans quel bol? Bon, en vrai, je pourrais le paralyser. Mais vas-y, on va lancer le Lux Ball pour voir. On va lancer le Lux Ball pour voir. Et peut-être que j'irai switcher pour le paralyser. Parce que je sais pas s'il a une attaque pour se blesser. J'aurais pu regarder. Il a riposte. Riposte, c'est pas grave. On fout un peu. On va le paralyser. On va le paralyser. Après oui, j'aurais pu checker. Hein, j'aurais pu checker pour coupe-note. Mais vas-y, hein. On va bien faire le tour de son set. Draco-griffe. Il a plus qu'une seule attaque que j'ai pas encore vue. On va cage éclair donc. Il est paralysé. Tranche. Ok, bon bah il a rien pour se blesser. Très très bien. Hop. Après bon, à part bélier, je vois pas ce qu'il aurait pu avoir. Donc, mais bon, je suis même pas sûr qu'il a pas de bélier en vrai. On va pouvoir fauchage. Voilà, il est paralysé en plus, c'est parfait. Donc fauchage ici, into Lux Ball et ça devrait rentrer. Hein. Riposte. Donc je vais avoir mal là, évidemment. Évidemment, je vais avoir mal. Et on va lancer une Lux Ball. Parce que je sais pas trop en quel bol le mettre. Je pensais la chrono pour le fait que la chrono a une sorte de petite houppette au-dessus. Un peu comme lui. Ah ouais, il a pas. D'accord, il a pas envie. Hein. En même temps, ça fait un petit moment qu'il se fait désirer, donc pourquoi pas quelques secondes supplémentaires. Hein. Pourquoi pas. Salut à NREF. Oui.
Ouais, et là, merci. On se retrouve avec Fastidieux, alors phase, 4 phases, hein. Et Fastidieux pour le côté, voilà, on a galéré, hein. Le surnom est quand même plutôt pas mal trouvé, je trouve. Plutôt pas mal. Docile de nature, docile ça n'augmente pas, ça ne diminue pas, c'est statistique. Rivalité en talent, c'est pas ouf du tout, il me semble, hein. Il a brise-moule, lui en talent, qu'on préfère, plutôt que rivalité. Des attaques normales pour son niveau, même si du coup riposte est quand même un egg move, hein, puisque les Pokémon trouvés en scanner ont un egg move. Donc c'est riposte pour ce petit coupe-note. Coupe-note qui, au niveau des IV, a 0 IV à 31. Alors, comme on est sur, encore une fois, un scanner, il n'y a pas d'IV garanti. C'est grosso modo du random encounters. Hein. Le scanner nous permet juste d'ajouter un Pokémon qui normalement n'est pas présent dans la zone. Donc voilà, pas d'IV à 31, puisqu'on est sur un random encounters, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà YouTube, tu sais tout pour ce petit coupe-note qui va intégrer mon Shiny Living Dex, qui se complète petit à petit. On avance vers les 700 Shiny trouvés dans celui-ci, très content. Le chat t'a dit au revoir, t'a dit un peu comment soutenir tout ça. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche si tu veux voilà, être au courant de tout ce qui sort par la suite. Nous nous retrouvons très vite, peut-être sur les réseaux sociaux ou sur Twitch si tu décides de nous rejoindre. Les liens sont en description. On se voit d'ici là, au revoir YouTube et bisous.